Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier Rexel consacré à l'alimentation des appareils en réseau. Justin de Montreuil se pose pas mal de questions sur le POE, Power Over Ethernet. Il aimerait en savoir un peu plus pour mieux guider ses clients. Évidemment, vous avez raison de vous intéresser à cette fonctionnalité réseau. Le POE facilite considérablement l'installation des appareils en réseau et il permet également de faire des économies de câblage. La technologie POE permet à la fois l'alimentation électrique des équipements et à ces équipements de communiquer entre eux en utilisant un câble informatique unique. Il n'est donc plus nécessaire d'installer une prise électrique à proximité des équipements. La distance entre deux appareils doit seulement être inférieure à 90 mètres, comme sur un réseau standard. Pour fournir l'alimentation POE, on a le choix entre deux types d'équipements, le switch ou l'injecteur. Aujourd'hui, le POE est normalisé. Deux normes sont à retenir. La 802.3AF pour les appareils POE qui peuvent fournir un maximum de 15,4 watts par port et la norme 802.3AT pour les appareils POE+ qui peuvent fournir au maximum 30 watts par port. Concernant le câblage, avec l'augmentation des puissances transportées, il peut y avoir des problèmes d'échauffement ou de résistance électrique. Il est donc nécessaire d'utiliser à minima des câbles de catégorie 6A. Aux extrémités de ces câbles, la connectique doit également être normalisée et certifiée. Si ce n'est pas le cas, le simple fait de connecter et de déconnecter un appareil peut provoquer des courts-circuits ou engendrer des dysfonctionnements importants. Les switches disposent de ce que l'on appelle un budget POE qui correspond à la puissance totale qu'ils peuvent fournir aux équipements connectés. Ce budget se mesure en watts et là, vous allez devoir faire un petit calcul. Prenons un exemple. Une entreprise est équipée de 10 caméras consommant chacune 7 watts. 10 téléphones IP consommant chacun 5 watts. Et 5 points d'accès consommant 8 watts par point. 70 plus 50 plus 40, le switch devra être en mesure de fournir au minimum une puissance totale de 160 watts. Cette technologie POE, vous l'avez sûrement constaté, explose. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à vous tourner vers votre agence Rexel qui vous mettra en relation avec un expert POE. À très bientôt pour un nouvel atelier.